Il y en a plein, des petits cadeaux faits main et ils tiennent tous dans la hotte du Père Noël, un artisanat local 100% dijonnais qui dévoile l'univers de 9 créatrices. Tu prends le paquet ? Merci. Shopping entre amis ou en famille, et même si l'espace est petit, il y a de quoi trouver son bonheur. Ce bracelet à 12 euros, ce stageant à 19 euros, puis les boucles d'oreilles 12 aussi, donc voilà, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Des prix raisonnables, mais ce n'est pas le plus important. Ici, la motivation des clients, c'est surtout de soutenir des savoir-faire bourguignons. On imagine que du coup c'est de la petite série et qu'on ne va pas se retrouver avec les mêmes que d'autres personnes, contrairement à la grande distrie. Après, sur un plan plus personnel, ça me va aussi de soutenir les petits créateurs indépendants. Je vous propose une dégustation. Merci. De tisane réalisée par une de nos créatrices dijonnaises. Oui, c'est bon, c'est bien. Puis avec l'idée en fait que ce soit fait localement, c'est intéressant. Pour l'instant, aucune des exposantes n'arrive à vivre de ses créations. Elles ont besoin de se regrouper pour pouvoir exister en complément d'une autre activité. Mais l'entraide et la mutualisation, ça peut aussi donner naissance à des créations communes. Donc là, par exemple, on a cette lampe qui a été réalisée en binôme par la céramiste Amandine. Et puis l'abat-jour a été réalisé par la créatrice textile Eléa. Je peux vous présenter aussi cette autre collaboration entre Monica qui crée des infusions et thé et Lorraine qui réalise le packaging, les boîtes en papier plié. C'est très agréable de travailler ensemble, ça crée de l'émulation. Ça nous motive aussi à poursuivre notre activité. Il y a une énergie qui circule entre toutes. Une énergie à découvrir à Dijon jusqu'au 23 décembre prochain. Bonne journée, mesdames. Bonne journée. Bonne journée.